Je reçois maintenant dans le bus les protagonistes du film Marc Saint-Georges. Marc Saint-Georges, c'est la série événement que vous avez découvert l'année dernière sur les antennes de ma télé. Cette série évolue et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le bus Albert. Bonjour Albert. Bonjour, ravi bonjour, de te Bertrand. Retrouver ici dans le bus pour discuter avec toi de l'évolution de Marc Saint-Georges. Tu es venu en compagnie de tes acteurs, mais aussi de tes techniciens et aussi de ceux qui ont permis la réalisation de ce film. On va d'abord les présenter. Mmh. Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Guillaume, ravi aussi de te retrouver ici dans le bus pour cette nouvelle version de Marc Saint-Georges. C'est une évolution de Marc Saint-Georges que l'on va découvrir ensemble. Et puis, qui dit Marc Saint-Georges, il faut aussi avoir Marc Saint-Georges avec nous. Mmh. Et on a Marc Saint-Georges en personne, présent, en la personne d'Alan. Bonjour Alan. Bonjour. Ravi de te retrouver entre deux avions, puisque je sais que tu bouges pas mal en ce moment, parce que Marc Saint-Georges, c'est un produit qui s'exporte, mais aussi qui permet de développer les acteurs comme vous deux. Et on va voir qu'il y a beaucoup de territoires, de pays à travers le monde qui s'intéressent à cette expérimentation qui a été menée ici dans notre territoire. Absolument. Mais avant toute chose, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder tout de suite la bande-annonce de ce que vous allez découvrir très prochainement sur les antennes de ma télé. Chaque instant, j'entends hurler la ville. C'est un asile de fous, de... je suis un monstre. Dans un monde fait pour les monstres. Je m'engraisserai de votre haine à tous. Babylone tombe, les valeurs que tu défends n'ont aucun sens. Mais le diable a préparé l'arène pour la bataille finale. Cette ville doit devenir l'enfer pour tous sur Terre. Le problème, c'est qu'il est trop affectif. Albert, ce qu'on vient de voir, c'est une nouvelle version, c'est une évolution de Marc Saint-Georges. D'abord, on va représenter un peu le pitch de l'histoire. Marc Saint-Georges, c'est quoi? C'est qu'est-ce? Et après, on expliquera cette évolution. Parle-nous un peu du personnage de Marc Saint-Georges et de l'idée initiale de cette série. Oui, alors Marc Saint-Georges, c'était donc au départ, on en avait parlé il y a un an de ça dans le bus, c'était à l'initiative une série développée pour les télévisions locales. Et dans lequel on s'était accordé, justement, étant donné que c'était pas une audience plus petite, mais un peu plus confidentielle, une liberté artistique absolue, on va dire, voilà, un peu plus, avec une marge de manœuvre un peu plus importante
que ce qu'on peut voir sur les produits d'exploitation sur les grandes chaînes. Et on voulait avoir un niveau de qualité équivalent. Plus de liberté, hein, c'est plus ça. Plus de liberté, voilà. C'est-à-dire essayer de montrer un cinéma un peu plus alternatif, celui qu'on aime, celui qu'on aime regarder, proche des productions asiatiques voilà, ou américaines, mais avec de l'action et un peu décomplexé. Voilà. Alors pour qu'on comprenne un peu l'histoire, parce que derrière tout ça, il y a une histoire, ouais. On est dans quoi? On est dans l'histoire d'un flic pourri, un flic qui se bat contre un système En fait, on est dans l'histoire d'un flic qui est borderline, c'est-à-dire qu'il est sur la voie du milieu, comme on dirait, et il est plus en rupture avec lui-même. Hein, parce que il est plus en rupture avec lui-même que réellement avec le système qui l'entoure. C'est un homme... en fait, cette histoire, au départ, Marc Saint-Georges est un policier, mais elle pourrait être appliquée à un homme qui a une autre fonction ou un autre métier. C'est avant tout une histoire humaine, c'est l'histoire d'un homme qui atteint ses limites, voilà, et qui a besoin d'un second souffle. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, puisqu'au départ, on était sur une série, et là, on va découvrir, sur notre antenne, en exclusivité, qu'il y a eu une véritable évolution et qu'on est passé de la notion de la série à la notion de téléfilm. Pour quelle raison? En fait, même s'il y a un côté un peu sérielesque, hein, on a décidé, après avoir consulté différents intervenants qu'on connaissait dans la profession, tant à l'étranger qu'en France, que le format qu'on avait essayé d'adopter, de mettre en place, ne se prêtait pas aux histoires qu'on voulait raconter. Et dans la volonté d'évolution qu'on avait, on a décidé d'offrir, plutôt que de couper une histoire en plusieurs parties, on a préféré la proposer en un seul film, voilà, plutôt que de la morceler. Et du coup, ça nous permettait finalement d'avoir un certain rythme et de ne plus tenir compte du format lui-même, mais d'essayer de faire évoluer la série vers plutôt du téléfilm sérialesque. Alors ça veut dire qu'à chaque fois, on va retrouver les héros principaux. Ouais, on aura aussi des acteurs parallèles, des guests qui viendront dans ces téléfilms-séries. Hein. Comment tu appelles ça, toi? Moi, j'appelle ça des sérialesques, téléfilms sérialesques. Téléfilms sérialesques. Mais on est sur une durée plus importante. Voilà, un peu. On est un peu plus long, un peu comme on peut voir sur certaines séries comme Luther ou en Angleterre, où ce sont. On est entre la série et le téléfilm, et ça se passe sur plusieurs épisodes, et on nous raconte une histoire sur plusieurs épisodes. Tout comme, je crois qu'avec l'arrivée de chaînes comme Netflix aussi, il y a carrément des saisons complètes de 13 épisodes où on raconte une seule histoire. Voilà. Après, sur des formats qui sont 50 minutes. Voilà. Sauf que nous, on a décidé d'offrir, étant donné qu'on a la chance de collaborer avec ma télé et les chaînes locales, on essaie de faire évoluer également, sans prétention, le format des chaînes locales et essayer de proposer un format qui soit proche d'un film, téléfilm, destiné à la proximité. C'est-à-dire qu'on tente et on expérimente parce que c'est finalement un projet qui est tout le temps en perpétuelle évolution, Marc Saint-Georges. C'est un peu un champ d'essai, un laboratoire, et ça nous permet de tester des idées tout en restant, en respectant les formats, mais en essayant d'avancer et de faire progresser à chaque épisode. Alors je m'adresse à vous, messieurs, parce que vous êtes les acteurs, vous allez subir les décisions qu'il prend, de ces évolutions, de ces changements. Finalement, le paysage audiovisuel, il évolue, et avec ce type de projet, vous avez quoi? Plus de liberté ou ça devient plus compliqué parce qu'il faut se réinventer, il faut réinventer des personnages, réinventer une manière de faire. Comment ça se passe pour vous dans le concret, sous la direction d'Albert exactement dans ce... Il impose, il décide, il vous laisse une part de liberté Non, il y a une part de liberté aussi. Bon, il impose, certes, parce que c'est un personnage qu'il a avant tout écrit, mais je pense qu'il aime aussi que l'acteur soit organique, qu'il donne une part de lui-même, mais aussi tout en gardant la fiction. Donc un mélange de notre personnalité, mais aussi surtout avec la fiction. Parce qu'il ne faut pas non plus que le personnage soit l'identique de moi-même. Oui, parce que quand on fait de la fiction, Guillaume, quand on fait de la fiction, c'est une part de soi-même qu'on donne parce que c'est compliqué de jouer ces acteurs. C'est compliqué, oui et non. Il y a toujours peut-être une part de soi-même. On va chercher peut-être des émotions propres, mais il y a une inspiration du personnage qui est là automatiquement, suivant ce qui a été écrit. Et aux yeux du réalisateur, sur la direction artistique, il attend de nous ce qu'il voit.
ce qu'il attend. Quoi, ce qui... Et vous, les évolutions, vous les avez vues là, entre la partie série et ce que l'on va, ce que le public va découvrir? Ouais, ben, oui, franchement, oui, parce que j'insiste sur c'est que le long solo, franchement, le scénario déjà est différent. Bon, bien que on peut comprendre que ça reste toujours Marc Saint-Georges, mais il y a plus d'action, on sent plus un côté sombre. Et ça fait plus film quand même que série, en fait. Voilà. Alors vous êtes en contact avec les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Ou même vous, d'ailleurs, en tant que téléspectateur, qu'est-ce que vous attendez d'une série? De l'action? De l'action, du jeu, du suspense. La série, il y a beaucoup de combats, donc je pense que les gens qui vont regarder la série, ils attendent de l'action, du combat, des... choses concrètes, quoi. Et puis il y a de l'émotion aussi. Les personnages, on les emmène dans une émotion propre à chaque personnage dans le développement. Et c'est ça d'ailleurs qu'on les fait évoluer. Il nous a donné la liberté de pouvoir évoluer nos personnages. Et d'ailleurs, c'est sur ce qui a été refait là, ce qui a été fait, ça n'a pas été du tout filmé pareil. Donc ça a donné beaucoup plus de dynamisme avec puis une confiance plus. Voilà, on s'est retrouvé en fait. On a misé sur la confiance et sur le travail de soi-même, quoi. Et la création, je pense que la création, elle est importante dans le milieu artistique. Malgré les difficultés et des difficultés, quand on fait de la production autofinancée ou presque, on a plus de liberté, mais d'un autre côté, on a plus de difficultés, Albert, non? Ouais, pour te rejoindre, on a quand même beaucoup de contraintes. Hein. L'argent étant le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Après, comme on avait pu l'évoquer auparavant, il faut essayer de trouver des solutions alternatives. Et justement, étant donné qu'on a moins de moyens, on fait plus appel à des idées et visuellement, on se creuse plus les méninges et on essaye de faire avec ce qu'on a et on va aller chercher des histoires peut-être plus proches des personnages, des plans plus proches des personnages. Et comme on dirait, comme le cinéma étant l'art de régler les problèmes, eh bien on essaie de trouver une solution rapide et immédiate. Alors justement, est-ce que c'est aussi une approche pour réinventer ce cinéma, l'adapter à des moyens financiers, à de la demande aujourd'hui, par rapport au public, je parle. Hein. Moi, je pense que, comme je te disais, il n'y a pas un cinéma, il y en a mille. Mais on va dire, l'approche que nous, on a du cinéma, elle est en train d'évoluer par rapport à la production et le financement même du cinéma. Donc du coup, ça permet, avec les nouveaux moyens de communication, de faire émerger de nouveaux talents. Et étant donné qu'il y a beaucoup de concurrence, finalement, c'est la promotion et surtout, finalement, les idées visuelles qui vont plus que le sujet. Maintenant, on va faire appel les idées. Et surtout, comme je dirais, la performance, finalement. Chercher la performance visuellement, chercher quelque chose qui va accrocher et susciter l'intérêt. Parce que finalement, le spectateur, comme on va se le dire, il ne sait pas s'il y a eu du budget ou pas quand il regarde. Ouais. Il peut se dire, tiens, c'est un petit budget, et puis en fait, c'est fait avec beaucoup de budget. Ou alors, il peut avoir l'impression d'avoir une super production, et c'est fait avec rien. Mais alors justement, aujourd'hui, tiens, je m'adresse à vous, messieurs. On a l'habitude aujourd'hui d'aller regarder de plus en plus de médias audiovisuels sur Internet, sur des plateformes de distribution de vidéos telles que YouTube et autres. Et c'est justement une possibilité à des jeunes acteurs, à des jeunes réalisateurs d'aller s'exprimer avec peu de moyens. Je pense, oui, tout à fait. C'est l'évolution, je pense. Hein. Je pense que Internet a bouleversé beaucoup de choses et ça emmène sur YouTube, je pense que... Bon, après, c'est deux plateaux différents entre ce qu'on tourne et sur ce qui peut se passer sur YouTube. Il y a des gens avec peu de moyens sur YouTube, en se filmant chez eux, ils arrivent à se faire connaître. Des Norman et autres. Voilà, d'avoir des millions de vues et en quelques temps, alors que... Je pense après c'est un facteur chance et aussi le hasard, parce que le talent ne suffit pas. Après, il y a aussi la communication. Je pense que tout joue sur la communication. Parce que, en fait, je pense qu'on est dans un système où sur Internet, ça doit aller vite. C'est comme un éclair au chocolat, on le prend, on le mange et puis on passe à un autre. Voilà, et c'est la même chose. Donc je pense que si un produit veut rester, nous on se bat avec Marc Saint-Georges, parce que bon, le concept a changé, mais le fond reste le même. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même gardé cet état d'esprit, mais on s'est fait des réunions, on s'est concerté, on s'est dit voilà, on va moderniser le tout, on va changer. On accepte les critiques, parce que de toute façon, il faut accepter. Mais
Il y a une différence entre critique constructif et destructeur. Tout à fait. Voilà. Je pense que c'est comme tout. On va être fan de tel acteur. On va dire, ouais, j'aime bien cet acteur, j'aime bien cette actrice. Et puis, les avis sont mitigés. On ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Je veux dire, bien sûr, après, il y a des choses qui sont unanimes. Je veux dire, il faut quand même reconnaître des choses. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais il faut être bon joueur. Ouais. Je pense qu'il faut être bon joueur. C'est tout. Albert Marc-Saint-Georges, aujourd'hui, d'après ce que j'entends dire là, c'est une aventure humaine. Oui, hein, oui absolument. Avant toute chose, hein, c'est une aventure et une aventure humaine. Cette évolution, cette manière de travailler, cette nouvelle approche du cinéma, collée à des aspects économiques et aussi susciter l'intérêt et avec des acteurs qui, messieurs, je n'ai aucun... c'est pas par manque de respect, mais je veux dire... on ne tourne pas avec Jean-Claude Van Damme ou avec Alain Delon ou avec des têtes d'affiche. Justement, on donne la possibilité à des acteurs émergents de venir et de participer. Quand Albert vous consulte, parce que vous êtes vraiment dans la catégorie des acteurs émergents, vous êtes sollicité, vous êtes de plus en plus remarqué et ce genre de film vous permet de se développer. Est-ce que ce genre de projet vous intéresse davantage que des projets très formatés où finalement... on va être dans les box-office, mais bon, bah voilà, on aura un plus petit rôle, on ne pourra pas trop intervenir dans le scénario, on ne peut pas trop marquer de son empreinte. Je pense que, franchement, Albert, sur la démarche qu'il a pu nous donner, et je pense que c'est un parcours artistique, fait de rencontres, d'amitié, de sociabilité, voilà, d'entente. Et ce qui nous a emmené à Albert, c'est de pouvoir nous promotionner, entre guillemets. Bien sûr. Et c'est une chance. Et peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui font ça depuis 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas eu cette opportunité. C'est là où tu parlais de chance, hein, de chance, de... Et puis un parcours artistique, c'est un parcours artistique, je pense. C'est les choses qui se provoquent. Après, que ça soit avec Albert ou un autre, moi j'aime la façon comment travaille Albert. C'est une personne vraiment humaine et il m'a apporté énormément dans... Depuis tout ce qu'on a créé, Marc Saint-Georges de la base, les premiers pilotes qu'on a pu faire, les premiers, il nous a vraiment poussé, nous dire voilà, c'est faisable, c'est créatif, il y a quelque chose au fond et il nous a poussé. Après, bon, on a notre réseau aussi de notre côté. Disons qu'il y a un rêve, je pense que la simplicité, c'est qu'on est trois personnes ici, trois rêveurs. C'est-à-dire voilà, on est des gens qui rêvons, mais qui allons vers la réalisation du rêve. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, mon rêve, c'est d'être acteur, de rester acteur, de travailler. Je m'en fiche si je ne suis pas une big star, je m'en fous complètement. Le tout, c'est de vivre de sa passion. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Et c'est maintenant, si j'ai des envies grandiloquentes, ça, c'est parce que voilà, j'aime ce que je fais et je crois en mon potentiel. Maintenant, je cherche à m'améliorer, c'est sûr. Parce que c'est justement, plus on travaille, plus on s'améliore. Et le fait d'avoir tenté des choses en Amérique et le fait d'avoir eu la chance de pouvoir captiver, de passer à la télévision là-bas et de montrer mon film là-bas, je pense que ça m'a appris des choses et ça m'a fait comprendre que faut écouter les bonnes critiques constructives, mais pas écouter les critiques destructeurs. Parce qu'on sera toujours, depuis qu'on a commencé cette aventure, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas été compris, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est juste une question de compréhension. Ouais, complètement. Voilà. Alors, une année que cette aventure a démarré, elle a évolué. On va revenir un peu autour du film et de ce qui se passe dans ce film. Ouais. D'abord, c'était un projet qui se voulait régional. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, ça l'est toujours, de toute façon... la base, l'initiative, et puis le projet a été créé ici en région, et on est surtout aidé par Matélé, qui est une télé régionale, et on a volonté aussi, parmi les décors et la ville imaginaire qui constitue la ville dans laquelle travaille Marc-Saint-Georges, de rester en région, parce que justement, ça permet de mettre en avant certains décors et puis certaines ambiances qui sont propres au film, finalement, parce que on est un peu partout et nulle part dans ce... Alors quel accueil on a lorsqu'on va dans des endroits qui n'ont pas vraiment l'habitude de recevoir des équipes de cinéma ? Alors je vais être très sincère, on va dire, pour parler en tant que professionnel... Puisque dans la version que l'on va voir là, que l'on va découvrir très prochainement sur notre antenne, ça a été tourné où ? Une partie à Saint-Quentin, Péronne, Dreux, Paris, un petit peu en Belgique. Saint-Quentin, ouais. un peu en Belgique. Un petit peu en Belgique, donc en fait on est dans le grand nord de la France. Ouais. Cette ville imaginaire que tu inventes, que tu crées, quel accueil tu as dans les territoires ? Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est que
Un tournage à Paris, c'est une contrainte. Et un tournage en province, c'est un événement. Voilà. Donc on est vraiment très très bien accueillis voilà. En province. Et on nous donne les moyens, justement, qui sont à hauteur de nos attentes. Et même des fois, qui dépassent nos attentes. Et du coup, ça nous permet de sublimer, de prendre notre temps et de constituer finalement, visuellement, quelque chose qui est sans repère. Un peu. Alors justement, tu parles de prendre notre temps. On parlait de la complexité de réaliser ce genre de film avec peu de moyens. Comment tu fais pour financer ce genre de produit ? Parce que forcément, il faut le financer. On comprend bien que le partenariat, c'est une manière d'amener ce que nous, on appelle dans notre jargon de l'apport en industrie. Hein. Mmh. Ça veut dire que c'est du savoir-faire que l'on met à disposition. C'est ce qui permet du matériel et du savoir-faire. Ça réduit des coûts de production. Forcément, c'est comme ça qu'on a un accord de partenariat ensemble. Oui. Nous, ma télé, avec toi, Albert, et l'ensemble de la production de Marc-Saint-Georges. Mais le financement à côté, il vient de où ? Il y a des entreprises ? Oui, voilà, il y a des entreprises, des partenaires comme Isobat qui nous suivent, qui permettent, qui eux, à leur niveau, peuvent payer et nous accompagner tout au long de la production. Il y a un peu de financement participatif via des sites de perception, de crowdfunding, voilà, de financement. Et puis, il y a aussi parfois, on peut le dire sur ce film-là, chacun de nous a mis l'argent de sa poche pour boucler. Voilà. Alors donc c'est véritablement c'est une implication, hein, une implication qu'on a tous autour de ce projet. Est-ce que les moyens technologiques actuels permettent justement ça ? Ça veut dire aujourd'hui c'est plus facile de produire ce genre de produit. C'est beaucoup plus facile de produire. Mais il y a des étapes incontournables. Oui, c'est facile de produire, mais c'est toujours un parcours du combattant pour diffuser. C'est ça la différence. Mmh. C'est que même s'il y a Internet, on sait très bien qu'il y a toujours deux. Et ça, Albert l'avait dit dans une interview il y a très très longtemps. La modernité, les films voilà, qui se font, on appelle ça les produits mouchoirs. On prend, on jette. Ouais. Voilà. Mais nous, on n'a pas envie de tomber dans ce système-là. On a envie quand même que on laisse une petite trace du projet. Je veux dire, c'est sûr que on n'a pas eu les moyens d'Hollywood pour faire, mais on a quand même travaillé avec le cœur, avec l'esprit. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais je pense que là, cette fois-ci, on a quand même équilibré la dot. Bon, vous l'avez vu forcément. Ouais. Guillaume, quel regard tu portes, toi, sur cette manière de monter d'Albert, qui est une manière très particulière ? C'est très rythmé, on est dans des univers que l'on n'a pas tout à fait l'habitude de voir au ciné, mais qu'on voit dans d'autres domaines, tels que les jeux vidéo par exemple. Je pense qu'il est dans le futur, il a un pas d'avance sur aujourd'hui. Peut-être dans 4-5 ans, on dira, il y aura peut-être plein de réals qui prendront cette technique à filmer. Cette dynamique qu'il a à mettre les choses en place, au niveau image, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est vrai que le combat, c'est quelque chose vraiment difficile à filmer. Hein. Il faut avoir l'habitude. Et il a repris la caméra, il a remis les choses en ordre et je pense qu'il remettra tout le monde d'accord. Tu as décidé de te réapproprier complètement toute la production de Marc-Saint-Georges et d'y amener ton empreinte de toutes tes écoles. De tout ton passé en fait, hein, puisque le côté un peu japonisant, le côté un peu manga, le côté jeu vidéo, tout ça c'est dans ton univers. Hein. Voilà, en fait, Marc-Saint-Georges, j'avais envie de le reprendre pour finalement expliquer que Marc-Saint-Georges, c'est un peu la digestion de toutes ces influences pour tous ceux de ma génération qui ont aimé les mangas, les jeux vidéo, les clips. Qui ont connu l'avènement du cinéma, on va dire, numérique, avec les tendances comme le dogme, comme on pouvait l'évoquer, et puis les films comme Sin City, le dessin animé, les images de synthèse et tout, et surtout la publicité, et l'influence aussi qu'ont eu les médiums les uns envers les autres, ce qu'on a pu assister, nous, sur 20 ans, la transformation du paysage audiovisuel et de l'image en elle-même, c'est-à-dire du look... C'est un peu ça. Donc du coup, je me suis influencé de ça pour produire ce film. Et j'avais envie finalement de digérer toutes ces influences et de les montrer à travers ce film. En disant voilà, on va le concevoir comme un jeu de plateforme. On va arriver à des niveaux avec des boss de niveau. Mais on va essayer de proposer une partie un peu plus dramatique parce qu'il faut accrocher. Et finalement, un côté dessin animé dans les combats, dans le...
dans les enjeux aussi également sur le vilain, le méchant, qui est un peu un méchant de dessin animé ou de BD. Voilà. Alors, Alan, Guillaume, vos personnages, racontez-moi la philosophie, son état d'esprit, qu'est-ce qu'ils représentent dans la série et comment vous le jouez. On va commencer peut-être par toi, Guillaume. Ton personnage dans le film, dans la version qu'on va découvrir sur ma télé, The Long Solo. D'ailleurs, tout à l'heure, Albert, il faudra que tu nous expliques ce titre, d'accord? Ouais, ouais. C'est quoi? Il fait quoi? Quel est son état d'esprit, Guillaume? Alors, mon état d'esprit... Je suis une bombe qui n'a pas encore éclaté. Marc Saint-Georges, c'est un obus qui est arrivé, qui a explosé. Il détruit tout sur son passage. Et moi, je suis une personne un peu renfermée dans le personnage qui prend sur soi. Mais un jour ou l'autre, je pense que ça arrivera à terme. Et ce personnage risque d'un jour d'éclater. Et pour l'instant, il se contient. On essaye de gérer la situation. Et je suis toujours un œil bienveillant sur Marc Saint-Georges. T'es son collègue, hein? Je suis son collègue, oui. T'es son collègue, tu le protèges un peu, hein? J'essaye. Enfin, t'essayes de le protéger. Le protéger. Je sais pas, faut dire ça, Alan. Il le protège, il t'accompagne. Il le protège, mais bon, disons que Marc Saint-Georges a besoin de personne. Il se protège tout seul, Marc Saint-Georges. Mais quelque part, est-ce que c'est un petit peu ta conscience? Est-ce que c'est un petit peu. Non? Oui? Non? Je dirais que. Comment tu vois ça, toi? Comment je vois Marc Saint-Georges? Je dirais que franchement... Non, le personnage de Guillaume. Ah, oui, d'accord. Et la relation qu'il a avec Marc. Je dirais que c'est une relation de petit frère à grand frère, mais je dirais que... C'est dans ce sens-là, je disais, qui te protège. Oui, voilà, c'est le petit frère. En fait, c'est le petit frère qui veut protéger le grand frère. Voilà, c'est ça. C'est le petit frère qui veut... Je crois que l'image est bien trouvée. Voilà, l'image est bien trouvée. Mais attention, le petit frère, il nous a dit, il risque d'exploser. Ah oui. Et ça, c'est Albert qui va le décider dans la suite. Dans la suite... Des aventures de Marc Saint-Georges. Ouais. Et toi, Alan, ton personnage, tu le vois comment, toi, dans ce film? Personnellement, je trouve que... oui, il a évolué, mais on va dire que j'aime bien ce côté de, un peu mystérieux, dur, qui n'aime pas trop parler pour ne rien dire, qui reste... C'est un côté un peu, j'irais... Ça me fait penser un peu à Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry. Ah, super. Il aime pas parler pour ne rien dire. Alors, tu n'aimes pas parler pour ne rien dire. Et moi, je veux dire aux amis téléspectateurs que j'ai eu la chance et le privilège de te voir toi, en tout cas toi, dans d'autres contextes que Marc Saint-Georges. D'accord. Parce que tu excelles dans toutes les parties... on va dire actif, baston, et on va voir comment ça a été encore amplifié dans cet épisode, hein, avec la personne de Maître Lee qu'on aura tout à l'heure dans le bus en deuxième partie de cette émission. Mais t'es aussi un acteur à texte. Ouais. T'es aussi un acteur d'humour. Moi, je me souviens des différents pilotes que j'ai vus. Oui, et Marabout, entre autres, où finalement, c'est là où on voit le véritable jeu d'acteur. Disons que la capacité de s'adapter. Hein. Oui, voilà, j'aime bien un petit peu me lâcher et je suis pour l'autodérision en fait. Je suis pas non plus trop, je me prends pas trop au sérieux. Disons que j'aime bien m'impliquer dans des rôles très prenants comme Marc Saint-Georges ou même dans d'autres, dans mon court-métrage Mourir d'aimer où j'incarne un fils qui donner une réplique face devant une actrice telle que Catriona McCall, c'est vraiment du pur bonheur pour moi. Et c'est vrai que c'est fantastique parce que ça me permet d'être différent, d'incarner des personnages différents. Et Albert, lui, ce qu'il a été chercher en moi, c'est vraiment, il a été en profondeur. Il a dit, bon, c'est bien de jouer les Johnny Bellegueule, mais il dit, on va jouer le Johnny Bellegueule cassé. Voilà, Johnny Bellegueule cassé. Vraiment, je vous invite tous à découvrir cette nouvelle version de The Long Solo. Alors Albert, The Long Solo, pourquoi? Pourquoi? Parce que la durée a augmenté. Non, le Long Solo, c'est parce qu'il fait suite aux trois premiers épisodes qui avaient été médiés, qui s'appelaient The Savior. Et le Long Solo, c'est que dans cet épisode, on est très proche de lui, puisque le film est narré de son point de vue. Donc c'est un film qui est du point de vue de Marc Saint-Georges, sur les événements qui arrivent dedans. Et c'est peut-être, dans l'esprit, c'est son passage le plus sombre, où on est le plus dans sa psyché, où il se sent le plus seul. Donc j'avais envie de faire un film sur, finalement, la remise en question du héros, et rentrer dans sa psyché, en fait. Et donc là, le Long Solo, c'est que, durant tout ce film, il se sent terriblement seul. Donc il est comme un soliste de guitare qui fait son truc dans un orchestre de jazz où chacun joue sa partition.
Voilà, je compare un peu ça. C'est un solo de jazz en free jazz, quoi. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelques extraits du début de ce film qui vient illustrer exactement ce que tu viens de dire. Ça fait longtemps que je t'observe. Et franchement, avec toi, la fin est toujours la même. C'est simple pour corriger cette erreur, mais tu ne veux pas. Il faut des mois pour gagner l'argent que tu m'as volé. Bon alors, je donne une petite correction à ton frère. Et toi, d'un seul coup, c'est l'ascension. Les ténèbres s'abattent. Et l'ombre s'allonge ici. Il en reste toujours un, c'est mathématique. Il en faut toujours un qui reste. Et qui regarde les ruines de son monde, qu'il réalise au fond de son cœur, qu'il sera le dernier. Alors on vient de voir un petit peu la philosophie de ce personnage. Hein, donc dans toute cette histoire, il y a quand même énormément d'action, mm-hmm. énormément de bagarres, j'allais dire. D'abord, j'ai une première question à te poser. On vit dans un monde violent. Pourquoi en remettre une couche ? Ouais, c'est une violence qui est stylisée et tirée à l'extrême un peu. C'est finalement le tirer presque vers la caricature. Parce que en réalité, je pense pas que des fonctionnaires de police se battent de cette manière et abordent des sujets aussi graves que le terrorisme sous cet angle. Et comme on était dans un... Même si on est dans une approche hyper réaliste dans la réalisation, je voulais quand même cette espèce de second degré lié à la BD pour raconter cette histoire. Et ces ambiances, on les sent bien. Hein. Ouais. On sent bien que c'est pas tout à fait réaliste, ouais. mais on sent que c'est un univers, quoi. Ouais, voilà. C'est un univers vraiment parallèle voilà, au nôtre. C'est vraiment une histoire parallèle. Dans cette série, dans ce téléfilm, comme je le disais, énormément d'action. Quel travail ça a nécessité pour vous ? Pour toi, Guillaume ? L'imagination, s'imprégner de choses. Déjà, c'est dans une ville imaginaire, donc tout est créatif. Donc, physiquement, c'est pas à la portée de tout le monde, quand même, de faire des scènes d'action, de se battre. Tout est en cinéma, où les coups sont portés, sont pas portés. Si, on peut se faire mal. Non, on peut se faire mal. On peut se faire mal. On peut se faire mal, mais on évite. Hein. On évite, mais c'est l'entraînement, je pense. Hein. C'est la base de tout. S'améliorer et de toucher à divers styles, comme par exemple avec Maître Lee. Avec Maître Lee qui nous a apporté énormément de choses avec le style Apkimudo. Et c'est vrai que ça nous a... C'est bien parce qu'on ne reste pas stéréotypé. Comme là, j'ai eu la chance aussi de passer un week-end avec Scott Adkins, qui est une grande star des arts martiaux et qui m'a aussi ouvert les yeux sur certains petits détails techniques. Je passais à côté et c'est toujours bon d'apprendre. On apprend toujours et c'est vrai qu'avec Maître Lee, il nous a fait évoluer le style de combat dans le film. Bon, eh ben, Guillaume, je te remercie beaucoup d'être venu pour nous parler un peu de ce film et de ton personnage. Albert, on va recevoir tout de suite Maître Lee dans le bus. Mais avant, je vous propose de retrouver quelques instants choisis que tu nous as procurés. Ce sont des extraits, des phases de quoi ? Ce que l'on voit là, c'est quoi ? Ça va être c'est des extraits d'entraînement ? Oui, voilà. C'est ça ? C'est des images d'entraînement qu'on va découvrir. C'est les entraînements et les chorégraphies pour le film. Voilà. C'est la préparation qu'on a fait en amont. Il y a quand même, il faut se dire, entre tout ça, il y a bien 2 à 3 mois de chorégraphie et de préparation physique pour arriver à des semaines de tournage sur des scènes d'action telles que celle qui est la première où se bat Alan. Il y a quand même derrière 3 semaines d'entraînement et de préparation et de réflexion et de recherche d'angles. En fait, on a déjà cherché les angles auparavant, on a réfléchi, on a réfléchi au style, au coup, à l'adversaire, à la façon de filmer, à l'approche
du personnage et on va emmener ça de manière à ce que ce soit quand même réaliste. Du coup, hein, donc il y a tout le contexte, on y réfléchit et puis hop, derrière, une fois qu'on l'a travaillé, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on est dans le tournage, à le réaliser. Allez, regardez quelques coulisses de la préparation de ces scènes. Tu parlais de chorégraphie, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Maître Lee. Sean Payton, Poison Pain, Swave Several, son of the one-armed man, the money shot nigga, Kimbo Price nigga, Lennox Ave nigga, and they riding nigga. That's all I need right here, son. Yeah, what up? Give me the pussy, the money, the mic, and I'm straight. Pass the fully, the rum, no ice, and I'm great. Bed-stop brony, bed-stop bruising. One man best the army with that lead pipe music. Yeah, nigga, we ain't in the same game. You see these suckers? Now it's cool to play lame fucking busters. Things change. Why these little niggas dressing like Dwayne Wayne? Select few of these dudes that move me. When I hit you, it sound like how we do in the moves. Razor kicks. Nah, you can't elude from the two hands of fish. That's how I do, niggas. Sue me. Run all up on your set with such timing. Dump them all off with your sket and clutch iron. He gon' be on the news if son try me. Bleed all over your jewels, they blood diamonds. Bars of death, flow fire, verse char your flesh. It's ever, whenever, sever, and the guards connect. Open season, homie, guard your neck. See, it's killer be killed. Don't be the one we target next. Too late, remove safety, aim steady, semi blam. The clearing wall on any man in skinny pants. Walk with a torch in a bucket of ether. For the next nigga, if I see with his jeans tucked in his sneakers. Albert, de retour dans le bus, Guillaume nous a quittés. On recontinuera à parler de Guillaume parce que chacun ici a des multiples casquettes et muscles. Type rôle, hein. Oui. On a dit qu'on n'était pas simplement acteur, réalisateur ou scénariste, que c'était un produit que l'on développait en famille, et parce que c'est une véritable famille, hein, que ouais, la famille Marc-Saint-Georges. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, la famille de Marc-Saint-Georges s'est agrandie avec cette dernière version en la présence de Maître Lee. Maître Lee, je suis très ravi de vous avoir dans le bus. Je vais parler en français avec Maître Lee. Et Albert, tu feras la traduction pour d'accord. nous. Vous comprenez très bien le français, je le sais. Je parlais pas très bien. Mais il y a un petit peu besoin de traduction. Alors d'abord, Albert, j'aimerais que nous présenter Maître Lee. Qui est Maître Lee et que Maître Lee se alors, Maître Lee, donc c'est Maître Lee, c'est un septième dan d'Apkimudo, qui est une huitième dan d'Apkimudo, qui est une discipline coréenne, hein, proche de l'aïkido et basée sur le self-défense. Hein. Il est le président de la fédération donc de ce sport en France. D'accord. Et il entraîne. Et parallèlement, il y a beaucoup de licenciés à ce sport en France. Oui. Beaucoup de licenciés. On peut le pratiquer dans plein d'endroits différents. How many country, how many place do you learn? Where do you learn? Apkimudo. Apkimudo. Oui, oui. C'est, premier, c'est en France. Oui. En France, c'est 45 clubs. En France. 50 clubs. Oui, oui. En France, qui pratiquent. Oui, oui. Juste alors, notre c'est club. Alors, s'il fallait nous expliquer ce que c'est que cette discipline. Quelles seraient les caractéristiques de cette discipline? Can you explain what means Apkimudo for oui, you? Apkimudo, c'est Hapkido, oui, coréen des arts martiaux. Oui, mais Apkimudo, tu prépares, c'est plus reality, oui, real des arts martiaux. Donc il explique qu'en fait, c'est basé sur l'Apkido, qui est une discipline coréenne, mais il a décidé l'appliquer avec des choses liées au réel et au concret. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements de self-défense et qui sont adaptés, dont on peut utiliser toujours au quotidien dans la rue. Donc on est dans la catégorie des arts martiaux. Oui. Mais pourquoi? Pour la défense? Pour la beauté du geste? Pour C'est self-défense. Mm-hmm. Utiliser coup de poing, coup de pied, c'est claque technique ou avec projection aussi. D'accord, ok. J'ai beaucoup d'expérience donnée ces techniques à militaires ou policiers, c'est tout. Ouais, d'accord, donc, ok. À la base, il a beaucoup d'expérience dans l'enseignement
aux forces de police ou aux forces militaires. Donc on a l'impression que c'est presque dérivé d'une forme d'art martial destiné aux forces d'intervention. Voilà. Et c'est un art martial qui existe depuis combien de temps ? How many times ? Oh, j'ai oublié, c'est normalement 35 ans. Ah oui. Ouais, ah oui, d'accord. Donc, ouais. C'est, donc dans 30 à 50 ans, c'est ouais, ça, une cinquantaine d'années. Ouais. Donc en fait, par rapport à des sports tels que le karaté ou qui sont plus ancestrales, c'est quelque chose qui s'adapte avec notre civilisation, quoi. C'est voilà. Ça. My history, my short history. Yes. Ouais. C'est premier, j'ai commencé, c'est taekwondo. Normalement, tout coréen commence, c'est taekwondo. J'étais 8 ans, 7 ans. Oui. D'accord. Ensuite, entraînement, c'est hapkido. Oui. Mm-hmm. Aussi avec kickboxing aussi. D'accord. J'étais champion de kickboxing. D'accord. Oui. Ensuite, vraiment, j'aime, c'est hapkido. Oui. Ensuite, mon maître, c'est maître Yun Jung, et avec moi, c'est un créatif. Mm-hmm. Oui. Hapkimudo. D'accord. Hapkimudo. Oui. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour pratiquer ce sport ? Il faut quoi ? De la maîtrise ? Il faut de la force ? Il faut de la puissance ? Il faut de l'équilibre ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? C'est premier, c'est beaucoup de monde, si, pensez pas, oui, parce que c'est sport, esprit de sport, c'est pourquoi ? C'est fair play. Ouais. Mais exactement, c'est différent. Premier, c'est on doit c'est protéger mon corps. Mon parmi aussi ma paix. Oui. D'accord. Oui. C'est esprit, c'est diplôme. Oui. D'accord. Alors, de là à en faire quelque chose de visuel, tout à l'heure, on a vu des extraits des répétitions, des coulisses, de préparation des scènes de combat. D'abord, toi, Alan, cette ouais. technique, tu la connaissais pas avant ? Non, je connaissais le taekwondo parce que j'ai pratiqué un peu de taekwondo pour les coups de pied. Et c'est vrai que j'ai découvert l'hapkimudo et c'est un art martial très différent et très complet. Ça a été compliqué de t'adapter ou... Disons que quand on pratique déjà à très haut niveau les arts martiaux, on s'adapte assez vite. Voilà, c'est moins compliqué que quelqu'un qui commence. Voilà, on a des bases, donc ça va un peu plus vite à apprendre. Alors, on a vu qu'il y a... Tout à l'heure, tu disais, ce sont des séances de chorégraphie. Ouais. En fait, Maître Lee, il est aussi un peu chorégraphe. C'est quand même des sports très visuels. Juste pour le cinéma. Pour le cinéma, c'est le monde. Oui. Beaucoup de personnes aiment lire technique, action. Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. C'est une des recettes des films. Il faut de l'action. Oui. Déjà-tout-match aussi. Oui. Hapkido, c'est quoi ? C'est self-defense. Oui. Oui. Autre déjà-tout-match, c'est plus développement, oui. C'est self-defense ou ici plus parce qu'on doit se protéger mon corps. Bien sûr. Oui. Le monde maintenant, beaucoup de personnes aiment MMA ou kickboxing, c'est ça. Oui. C'est longtemps, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Oui. C'est maintenant, c'est moi aussi, je travaille continue. C'est tous les jours. Oui. Et c'est un sport que tu fais évoluer tout le temps et tu travailles beaucoup pour le monde du cinéma alors. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans... comment s'est passée la rencontre, Albert, avec Maître Lee ? Dans quel contexte ? Mon élève, il est scénariste. Mm-hmm. Premier, il a présenté, c'est Albert. Oui. Ensuite, ok, d'accord, oui. Pourquoi pas. Oui. Après, première fois, j'ai travaillé avec Albert, Maxime George. Oui. Ensuite, il a proposé moi, on travaille ensemble. Je crois, mon chorégraphie, ouais. C'est bon, ouais. Ça? Chorégraphie, c'est bien. Ouais, ouais. Je crois, c'est la prochaine fois aussi, la prochaine scène. Oui, Pili, aussi, ouais. Je travaille ensemble. Ouais. Alan, qu'est-ce qui t'a amené, Maître Lee, dans l'évolution de ton personnage dans le film ? Disons que ça m'a apporté, par exemple, dans mon style de combat, on a amené différents, plus réalistes. Et plus cinématographique encore ? Non, on ne peut pas dire ça, je dirais plus réaliste. Plus réaliste. Cinématographique, si on veut... Plus visuel, j'allais dire, non ? Non, parce que quand on veut dire visuel, on commence à parler de salto, on commence à parler de coups de pied, de grand écart, tout ça. Là, avec Maître Lee, on va vraiment au côté réel. Par exemple, il y a une scène de combat où, avec un morceau de papier, on fait une arme.
Donc ça, c'est original. C'est rarement vu au cinéma. Et en même temps, c'est vachement... Et c'est réel, ça existe. C'est... voilà, comment faire une arme avec un morceau de bois, avec du papier. Donc c'est impressionnant. Je pense que c'est nouveau. C'est nouveau. Et c'est très, très intéressant. Et on apprend. Et le but, c'est d'apprendre. Et avec Maître Lee, c'est une nouvelle approche des choses. Et c'est très intéressant. Merci. Alors, donc, c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vrai. En fait, est-ce que le travail, est-ce que toi, tu as dû travailler beaucoup avec Alan, ou finalement, Alan, il a une capacité de s'adapter assez vite à ces nouvelles techniques? Oui. Ton point de vue par rapport à ça, on l'oublie, il n'est pas avec nous. Déjà, c'est Alan travaille beaucoup, c'est karaté et autres des arts martiaux. Oui, il comprend bien. Oui. Ensuite, je voudrais donner plus au niveau aux techniques. Oui. Mais je crois que c'est pour ne pas entraînement avec moi. Ensuite, Alan, c'est très vite. C'est content bien, c'est Hapkimoto, oui. C'est mieux, c'est Mark Saint-Georges, c'est plus voilà, voilà. Dis-moi Albert, j'ai l'impression de voir un film de Hitchcock. En fait, Hitchcock, il signait ses films, il apparaissait dans tous ses films, il était planqué quelque part. Et dans l'épisode que l'on va voir là, bah, tu apparais, Maître Lee apparaît. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des nouveaux personnages. C'est quoi? C'est une petite... Bah, en fait, c'est plus simple que ça, c'est que comme c'est un film qui représente une société cosmopolite, je me suis dit, bah, si elle a le rôle d'un black, bah, je vais le prendre pour moi, je vais être le black du... Donc bon... C'est Benetton, hein. C'est Benetton, bon, complètement. Voilà. Et j'avais envie de composer le mec qui surveille un peu le... Je me disais, comme j'avais écrit ce rôle pour un mec qui devait surveiller Marc Saint-Georges et qui... Et je me disais, pour l'interpréter, bah, ça va être moi, comme ça je vais pouvoir donner mes ordres et puis... Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Donc dans ces cas-là, tu quittes la caméra et la réalisation, puis t'as un petit moniteur sur les pieds pour voir si le jeu d'acteur est bon. Et Maître Lee a joué dans ce film avec toi. Maître Lee, est-ce que c'est la première fois que, en dehors de l'accompagnement qu'il fait au cinéma, oui. Est-ce que c'est la première fois que tu joues comme ça dans un film? Oui. Est-ce que ça a été plus compliqué de jouer ou plus compliqué de faire de l'action et de diriger en tant que direction technique, hein, puisque toute la direction technique, entre autres, c'est Maître Lee qui nous l'a amené dans ce film. Hein. Alors, c'était quoi le travail le plus compliqué? La direction technique ou le jeu d'acteur? Par exemple, ce qu'on donnait, c'est chorégraphie, c'est acteur, c'est comprend bien, ok, c'est, tu penses, ah, c'est bien. Mais après, c'est finalement, c'est pas bien. Oui. Parce que c'est acteur, c'est comprend pas, c'est bon technique. Oui. Mais c'est pas, c'est maintenant c'est bien ça. C'est des étapes. Ouais, mais... C'est des étapes, forcément, c'est des apprentissages. Mais c'est très bien parce que quand j'ai vu le film tout en entier, j'adore. Franchement, je me suis repassé plusieurs fois les scènes avec Maître Lee et je les aime bien. Ouais, c'est moi, disons, j'ai vu aussi, c'est vraiment pas mal. Je dirais que j'aime bien la partie combat, ça c'est sûr, on sent qu'il a. Il a la pêche, il a il est très dynamique, mais c'est vrai que la partie j'aime bien parce que son personnage, quand on voit Maître Lee dans le long solo, on est affectif avec lui parce que il est très sympa, il est souriant, il est là, il est pas le gars comme ça arts martiaux très très froid comme ça. On il paye pas de mine, mais quand il se bat, il fait du dégât. Il envoie et il fait très mal. J'espère qu'il s'est bien maîtrisé parce que sinon. Franchement, c'est vrai qu'il est. Bon, il maîtrise. Sinon, je ne serais pas là pour vous le dire. Il ne porte pas tous ses coups parce que là. Mais. Il est bien, ça. Mais on sent quand même, on sent quand il prend les choses en main, on le sent. Hein. C'est pas du cinéma. Je pense que c'est là qu'on se sent vivant. Tiens, regardez quelques extraits de Maître Lee en action. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Je sais pas! Oh! Oh! Eh bien! Bon! Oh. Toi! 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 Oh! Oh! Hey! Oh! Hey!
peu de problème, mais c'est pas grave. Alors Albert, là on a vu Maître Lee à l'action. Mmh. En fait, Maître Lee a très vite pris la direction technique dans Marc Saint-Georges. En fait, c'est un réel plaisir, c'est un honneur, c'est un plaisir. Puis c'est aussi un ami, hein, Maître Lee, tout comme Alan. Hein. Et en fait, j'avais une grande passion pour le cinéma asiatique, le cinéma hongkongais. John Woo et autres, et puis tous les films de karaté, kung-fu, Wuk Sapion, d'action qui venaient d'Asie. Et finalement, c'est avec la rencontre de Maître Lee, j'ai pu concilier mon affection pour ce genre de cinéma et le concrétiser. Et donc du coup, l'apport qui nous a amené, lui, avec la culture aussi coréenne, qui est une culture où ils observent, où finalement, les arts martiaux sont un ballet. Eux, quand ils regardent les combats, ils conçoivent ça comme de la danse, en fait. Ça a changé aussi mon œil. Donc là, et humainement, il m'a apporté aussi beaucoup de choses en me guidant avec sa philosophie et son approche des arts martiaux et la culture et l'approche coréenne qui est assez originale par rapport à ce que nous on a en Occident. Donc du coup, ça se ressent dans le film parce que j'ai filmé ces chorégraphies comme finalement dans l'esprit dans lequel il essayait de me l'expliquer, c'est-à-dire que deux combattants, c'est un peu comme un défi de danse et ils vont accepter le beau geste. Ils vont accepter la douleur, ils vont accepter le fait de ressentir ah bah tiens, tu m'as cassé le doigt, ok, c'est bien. Il y a un côté respect, ouais, voilà. Il y a un respect, voilà. Et du coup, ça, plus l'influence de tout ce cinéma avec lequel j'avais grandi, et le fait de pouvoir le concrétiser avec un grand maître reconnu des arts martiaux, finalement, c'était, pour moi, c'était l'apogée. Enfin, pour moi, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ça nous permet aussi d'amener Marc Saint-Georges à un autre niveau parce que maintenant il fait également partie intégrante vu qu'il a fait les chorégraphies du film et que sur les prochaines il est aussi là et que l'aventure, finalement le fait qu'on ait collaboré nous a donné envie aussi d'aller plus loin et d'aller, on l'espère, concrétiser les aventures de Marc Saint-Georges en Corée et d'autres productions. Alors on va en parler puisque je te coupe parce que justement Marc Saint-Georges va s'exporter à l'international, s'exporte déjà dans d'autres territoires avec la présence de Maître Lee. Mais Alan, toi qui parcours pas mal la planète par ton métier, on t'a vu récemment, je crois, sur une chaîne de télévision américaine, dans une interview. Good Morning San Diego. C'était à quelle occasion? L'occasion de d'une projection de mon long métrage 8 Hours, un thriller. Et donc j'ai glissé un petit mot sur Marc Saint-Georges, les 8 Némésis. J'ai même dit que s'il y a des producteurs américains qui sont intéressés pour faire du placement de production avec nous, c'est le bienvenu. Alors comment ça réagit de l'autre côté de l'Atlantique puisque... Ça réagit qu'il y a déjà une salle de cinéma qui attend déjà le film pour faire une petite première là-bas, pour tester un peu le produit. Et en même temps, il y a aussi quelques personnes qui veulent déjà nous prêter leur villa pour tourner. Les Américains, c'est les faiseurs de blockbusters, on le sait. Ouais. Et est-ce que tu as échangé avec eux? Est-ce qu'ils ont porté un regard critique sur le film? Est-ce que ça fait évoluer la manière que tu abordes ton personnage avec le film? Ça m'a fait énormément réfléchir. Disons que je savais déjà à quoi je m'attendais, parce que quand j'ai présenté un peu les trois premiers épisodes, on m'a pas... Franchement, par rapport à les critiques qu'on a eues de certaines personnes sur le net ou autres, j'ai donné les trois films, on les a regardés et on m'a dit voilà, nous on fait des films de série B, voilà, on le sait, on sait pourquoi on est catalogué, bien sûr, voilà, mais on le fait avec le cœur, voilà. On aime ce qu'on fait, exactement, voilà, et on prend ça au deuxième degré. Maintenant, on sait bien que les films sont inspirés de la vie et non pas la vie inspirée des films, voilà, on peut faire l'inverse. Enfin bref, le truc, ce qui se passe, c'est que quand j'ai montré les trois épisodes, eh bien, il est ressorti du positif parce que franchement, on a déjà eu Jalal qui est venu, qui a visionné le troisième épisode parce qu'il avait vu déjà le premier épisode à l'avant-première. Il n'a pas vu le deuxième, il a vu le troisième. Il m'a félicité et il m'a dit juste des petits détails, mais ça, c'est normal. Hein, ils ont fait combien de films? Ils ont plus d'expérience que nous, donc automatiquement, au niveau cinématographique. Mais je pense que justement, ils ont envie de travailler avec nous, ils ont envie de... ils nous ont dit franchement avec 3 francs 6 sous vous avez fait quelque chose, et donc c'est plutôt bon. Et si on a la chance d'avoir
vraiment des gros investisseurs, là, on pourra vraiment montrer ce qu'on a dans le ventre. Ouais. Voilà. Là, on voit déjà tout le potentiel qui existe autour de ce personnage de Marc Saint-Georges et de cette manière de filmer et de réaliser. Hein. Ouais. On se rend vraiment bien compte. Quel est l'avenir de Marc Saint-Georges? Il va encore continuer? Il y a encore d'autres histoires autour de Marc Saint-Georges? Oui, oui, ça va évoluer. Bon, on a déjà écrit le troisième volet du prochain Marc Saint-Georges, hein, qui s'appellera « Les Huit Némésis ». On a commencé également à chorégraphier avec Maître Lee et dont on espère tourner aussi une partie en Corée et aux États-Unis. Et puis je pense que ça va aller de plus en plus, on va essayer de tirer ça de plus en plus vers le haut et augmenter la qualité et la réalisation et les effets. Et alors, j'ai cru aussi qu'on allait aussi développer un petit peu une histoire un peu comme les 4 Fantastiques, ça veut dire on va retrouver ces héros avec chacun d'entre eux, plus dans Marc Saint-Georges, mais en fait ça sera... C'est en fait on va faire des spin-offs dédiés à chaque personnage. Et puis on fera aussi, on a eu l'idée de faire un film où le collectif est réuni avec chacun ses qualités, parce que à la fin du long solo, il y a quand même une surprise, une genre de métamorphose de Marc Saint-Georges. On comprend vers ce qu'il veut aller, et puis pour tous les amoureux de bande dessinée style super-héros, bah voilà, la surprise elle est là. Bon, eh ben écoutez, le rendez-vous est pris, c'est très bientôt, samedi, sur ma télé à 20h30, en exclusivité et en avant-première, presque mondiale, hein, presque, j'allais même dire mondiale, puisqu'on a le plaisir de pouvoir partager avec vous cet épisode unique aujourd'hui de The Long Solo, Marc Saint-Georges, après les 3 premiers épisodes. Moi, j'ai été ravi de vous accueillir dans le bus, je ne peux que vous souhaiter une très très bonne route cinématographique, j'espère pouvoir vous revoir dans le bus très prochainement et pour pouvoir partager avec nos amis téléspectateurs les prochaines aventures de Marc Saint-Georges et aussi je dirais les prochaines aventures de l'ensemble de la famille de la famille Alan et Albert, Maître Lee, Guillaume et tous les autres, hein, on les a pas cités mais ils sont nombreux à travailler avec vous et aussi tous ceux qui permettent de financer les régions qui vous accueillent, ceux qui vous financent, ceux qui font le son, les graphistes qui font le design, ceux qui sont cachés derrière. Voilà. Il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup d'effets spéciaux. Merci beaucoup, messieurs. Bon retour à vous. Et regardez bien les programmes, regardez bien notre antenne. Et tout de suite après, regardez bien, on vous annonce la date de la diffusion de cet épisode The Long Solo en exclusivité. Merci, messieurs. Merci. Merci ma télé.